dense. Poulet. Focus peut m'aider à chercher. Non, je peux pas utiliser l'attracteur là-dessus. Je me demande si mon focus pourrait me servir. Notre camarade est blessé. On doit trouver un moyen de le faire descendre. On ne peut pas laisser un soldat blessé derrière nous. Y a-t-il quelque chose que tu puisses faire ? Je pourrais fouiller la zone avec mon focus. Des machines. Prochain combat. Hé, hey, étrangère. Ces machines nous ont coincés ici. On a perdu nos armes dans la coulée de boue. Restez où vous êtes, je vais m'en occuper. Ces rochers. Si je casse la poutre, j'écrase les machines. Et voilà le travail. Ah.
Place-les sous les rochers. Tire sur la poutre de soutien. Ces rochers. Si je casse la poutre, j'écrase les machines. Thank you.
solution. Ces rochers. Si je casse la poutre, j'écrase les machines. Let's go.
trouver une solution. Rocher. Si je casse la poutre, j'écrase les machines. Je me suis fait repérer. Ces rochers. Si je casse la poutre, j'écrase les machines. J'en ai déjà posé assez. Écrase-les sous les rochers. Tire sur la poutre de soutien. Thank you.
Kenak devrait pouvoir partir maintenant. On descend. Est-ce que tout le monde va bien? Maintenant, ouais, sans ces carapateurs qui rôdent. Tu sais te battre, toi. On a vu des camarades coincés dans les falaises à l'est. Ils ont aussi besoin d'aide, si t'as le temps. D'accord, je vais voir ça. Est-ce que vous avez vu Kentok? Natika m'a demandé de le retrouver. Je l'ai pas vu depuis la coulée de boue. Très bien. Allez vers le rivage, de l'autre côté du village. Natika y soigne les rescapés. D'accord. Merci encore. Le tracteur ne marchera pas là-dessus.
pas que ça marchera. Avec panache. Voilà, la grue est en place. Mais comment la baisser pour atteindre la falaise ? Je devrais jeter un œil au bas du bras de la grue, pour voir s'il y a un moyen de la faire bouger. On dirait que quelque chose pèse sur le bras. Là. Si je tire sur cette barre, ça devrait retirer un peu de poids et abaisser le bras. Je pense pas pouvoir tirer sur la barre d'ici. Je dois prendre de la hauteur. Ça marche pas, l'angle est pas bon. Oh.
Et voilà. Détache ces câbles, le bras devrait pouvoir descendre. La chose va tomber! Attention! Ça va, c'est bon. Par le sang des 10, comment t'as réussi à faire ça? Je ne sais pas comment tu as fait, mais merci pour ce sauvetage. Est-ce que tout le monde va bien? Il s'est cassé la jambe sur des gravats pendant qu'on essayait de s'enfuir. Mais il survivra. Comment vous vous y êtes pris? Une coulée de boue a englouti tout le village pendant la tempête. Cette corniche dépassait tout juste des flots quand on a réussi à l'atteindre. Mais quand la tempête a fini par se calmer, l'eau s'était retirée. Et nous, on était coincés. Et on ne pouvait pas abandonner un de nos camarades. Vous pouvez rejoindre le rivage? Natika y est. Elle s'occupe des blessés. Natika? Louée soit les 10. On va aller la retrouver. Elle saura ce qu'on doit faire ensuite. Quand la boue est arrivée, j'ai vu des gens courir en direction des tours de métal. Tu devrais peut-être aller voir là-bas. Merci. Je vais jeter un coup d'œil. Je n'ai vu personne qui ressemble à Kentok. Apporte l'échelle en haut du bâtiment. Je peux peut-être traverser grâce à cette caissière. Je vais pouvoir nager jusqu'à la fin. J'ai besoin de quelque chose pour passer par-dessus le mur de métal et entrer. Je finirai bien par sécher en marchant. Voilà l'échelle de l'autre tour. Je devrais pouvoir sauter. Oh, oh non! C'était notre seule issue!
Est-ce que tout le monde va bien? Mais tu n'es pas des nôtres? Désolée. Oui. On s'est abrité ici quand une coulée de boue a envahi le village. Mais des gravats ont bloqué l'accès qu'on a utilisé. Cette échelle était notre seule issue. Mais on ne pouvait pas l'atteindre d'ici. Ça ira. Je vais trouver un autre moyen de sortir. Tu sais ce qui est arrivé, aux autres? D'autres ont survécu. Ils sont en lieu sûr. Loué soit les dix. Une fois dehors, allez vers la rive. Natika se trouve sur un promontoire. Elle a survécu. Bien. Nous la rejoindrons dès que nous pourrons sortir. D'accord. Ne bougez pas, restez ici. Être si près. Ça devrait être bon. C'est bon. Vous devriez pouvoir sortir. Merci. On se dirigera vers le rivage dès que possible. C'est bon. Je crois que j'ai trouvé tous les survivants. Mais je n'ai pas vu Kentok parmi eux. Je devrais retourner voir Natika. Repose-toi. Aloy, ces soldats sont en sécurité grâce à toi. Mais où se trouve Kentok? Je n'ai vu personne qui corresponde à sa description. Tu sais où il était quand c'est arrivé? C'est moi la dernière à l'avoir vu. Je lui ai dit que je voulais partir d'ici pour prêter serment à la garde du chef. Mais il a refusé de me libérer de l'escouade. Tous les guerriers Ténak sont obstinés, mais Kentok, il l'est bien plus encore. Alors, je suis partie. Je revenais par la crête d'en face quand j'ai aperçu la coulée. Tu revenais le voir pour t'excuser. Je dois le retrouver. Si quelqu'un peut survivre à une tempête, c'est lui. Je peux retourner voir, autour du village. Où l'as-tu vu pour le... Natika. Je suis là. Où est Kentok? Il a survécu? Nous allons le retrouver. Il m'a sauvé. Il m'a poussé sur le côté quand tout s'est effondré. Mais la coulée l'a emporté. Vers la crevasse. La crevasse? C'est un ancien passage qui mène sous la terre. Viens, je vais te montrer ça. Natika, on a besoin d'ordre. On est vulnérables ici. Peu d'entre nous peuvent manier une arme en cas d'attaque de machine. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Vas-y. La crevasse est près de la colline, au nord-ouest d'ici. Je te rejoins dès que possible. Commençons par poster deux soldats pour monter la garde. Je vole!
la crevasse. On dirait une ancienne mine. On bloque complètement l'entrée. Elle a peut-être été emportée là-dedans. Je vais devoir faire le ménage pour entrer. Il n'y a plus qu'à entrer. Bon, voyons où ça nous mène. Vas-y doucement. Tu dois être Kentok. Comment ? Une étrangère connaît-elle mon nom ? Natika m'a envoyé à ta recherche. Le soldat que tu as sauvé nous a dit que la boue t'avait emporté. Alors, il n'a rien ? Tant mieux. Et... Natika... Elle est revenue ? Oui. Elle était sur le chemin du retour quand la coulée de boue a eu lieu. Là, elle s'occupe des survivants. Je n'aurais pas dû refuser sa démission. Un soldat doit savoir se sacrifier pour le bien de la tribu. Avec le recul, je le reconnais. Je ne voulais pas qu'elle parte. La garde du chef va gagner un soldat inestimable. Après tout ça, au moins, je ne serai plus sur son chemin. Je sais reconnaître une blessure mortelle quand j'en vois une. Mon service pour le clan est terminé. Alors... laisse-moi. Non. Tu ne vas pas mourir ici. Il doit y avoir un moyen de t'évacuer. Impossible. J'ai essayé de grimper, mais c'est sans espoir. Les murs sont trop glissants. L'eau arrive... de la surface. Mais pas du côté où je suis arrivée. Il doit y avoir une autre source. Si je la trouve, et que je la dégage... même si tu ne peux pas bouger, Kentok, je crois qu'il y a un moyen de te déplacer. Hé, il faut que tu restes éveillé. Je vais aller fouiller les alentours. Tu es comme Natika. Aussi tenace qu'une griffe de feu. Alors tu dois être habitué. Allez, ne bouge pas. Je vais te faire sortir de là. Cette eau doit bien venir de quelque part. Il va falloir que je grimpe pour trouver son origine. De l'eau sort de ce conduit. Il doit y avoir une autre source. Yeah.
Il y a du métal dans ce mur, de l'autre côté. Je pourrais peut-être en extraire une partie. La cascade que j'ai vue en bas doit prendre sa source dans les environs. Je dois la trouver. L'eau vient de là-bas. Si j'utilise la flamme gemme pour ouvrir ce mur... Je nous ai trouvé une sortie. On y est presque. Hé hey, reste avec moi. Viens, Natika. Tu le feras toi-même. Elle a dit que tu étais un obstiné. Alors continue à te battre. Il disait ça à chaque combat d'entraînement. Parfois comme une insulte. Parfois comme un compliment. Mais en fait, il avait raison. J'ai toujours eu le choix de partir ou de rester. Je suis désolée que tu n'aies pas pu t'excuser. Moi aussi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore. La marque sanglante a une chance de s'en remettre. Et ensuite, je pourrai rejoindre la garde du chef. Mais je dois d'abord le mettre en terre. Avec les honneurs d'un soldat. Aloy, attends. Tu as sauvé mes camarades, tu as drainé toute l'eau du village. J'aimerais te donner ceci. Merci. Et bonne chance. Quoi que tu décides.